Dans ce nouveau podcast, je vous propose de vous expliquer comment réserver un billet SNCF via Internet. Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'effectuer ensemble une réservation d'un billet de train sur le site sncf.com. Donc ici, je vais lancer un navigateur internet. Moi, ça va être Microsoft Edge. Donc ici, dans la zone de recherche, je vais taper oui SNCF. Donc oui SNCF, c'est la nouvelle marque de la SNCF, c'est pareil. Donc là, on a oui SNCF. Et on va venir cliquer dessus. Par contre, je vous montre quand même, si je tape SNCF, attention danger, hein, vous avez ici des annonces publicitaires qui n'ont rien à voir avec la SNCF. Donc ici, moi je vais aller sur le site de oui SNCF. Donc me voici donc sur le site oui SNCF. Donc si vous prenez le train régulièrement, je vous conseille de créer un compte. Donc comment on va faire pour créer un compte? Donc on va venir cliquer sur me connecter. Donc je clique dessus. Et là, je vais venir sur créer mon compte. Ensuite, vous viendrez remplir madame ou monsieur. Là, vous viendrez mettre le prénom, votre prénom, votre nom, la date de naissance. Donc pour avoir les dates, il suffit de cliquer sur la petite flèche et de venir choisir la date. Pareil pour le mois et pareil pour l'année. Donc, on peut revenir, voilà. Ensuite, vous viendrez mettre votre numéro de téléphone mobile. Je vous le conseille fortement. Ensuite, vous viendrez ajouter l'adresse mail. Ainsi, vous viendrez confirmer votre adresse mail. Vous allez saisir un mot de passe entre 8 et 25 caractères. Vous viendrez le confirmer et ensuite on va appuyer sur enregistrer. Donc ensuite, vous allez vous rendre sur votre messagerie et vous allez voir que dans votre messagerie, vous allez recevoir un message de oui SNCF. Activation de mon compte client. Donc vous allez ouvrir ce mail. Et là, vous allez confirmer l'activation de mon compte client. Donc là, vous cliquez dessus. Et l'activation de votre compte est faite. Donc ici, vous allez saisir l'adresse mail. Et ensuite, vous viendrez saisir votre mot de passe. Et donc ici je vais saisir mon mot de passe. Donc ici maintenant je vais cliquer sur me connecter. Et ici maintenant, hein, je suis connecté sur l'espace oui SNCF. Nous allons nous occuper de réserver notre billet de train.
Nous allons procéder étape par étape. Alors, pas de panique ici, c'est assez simple, mais il va falloir être attentif et concentré. Et pas trop pressé. Donc là, je vais venir appuyer sur le bouton me connecter. Donc là, je vais mettre mon adresse mail. Ensuite, je vais venir appuyer sur le bouton suivant. Et là, je vais appuyer ensuite sur se connecter. Donc là, je suis connecté, tout va bien. Donc première chose que je vais faire, je vais venir cliquer sur train. Alors, ici, c'est la zone qui va nous intéresser. Donc première chose que je vais faire, je vais choisir si c'est un aller simple ou un aller-retour. Donc je clique sur aller-retour. Là, je vais prendre la gare de départ. Donc ici, je vais mettre la gare de Lorient. Donc là, un bandeau rouge apparaît. Pour valider, il va falloir cliquer sur ce bandeau rouge. Ensuite, vous allez mettre la gare d'arrivée. Donc, je ne vais pas être original. Je vais taper Paris. Pareil, ici, je vais mettre Paris, toute gare, intramuros. Ensuite, je vais mettre la date de départ. Donc, la date de départ ici par défaut et la date du jour. Donc, là, je vais cliquer dessus. Et je vais venir chercher la date que je souhaite partir. Donc là, ici, je vais partir, par exemple, le 8 avril. À partir de 8 heures. Je vais valider cette allée. Maintenant, je vais indiquer la date de retour. Donc, elle ne peut pas être avant ma date de départ. Donc, je clique de nouveau. Et par exemple, je vais revenir le 18 avril à partir de midi, par exemple. Je valide ce retour. Je vais lui indiquer si je veux un trajet direct ou pas. Donc, trajet direct, c'est mieux. En deuxième classe ou en première classe. Ensuite, on va indiquer le nombre de voyageurs. Donc là, je vais cliquer sur le petit plus pour indiquer le nombre de voyageurs. Donc là, moi, Laurent, hein, donc j'ai entre 26 et 59 ans. Je voyage avec un voyageur numéro 2, hein, qui a entre 12 et 25 ans, qui a une carte de réduction, une carte jeune. Hein, donc avec ou sans programme de fidélité. Là, il n'y a pas de programme de fidélité. Pour un voyage vélo, hein, vous viendrez sur vélo. Alors attention, hein, toutes les lignes n'acceptent pas les vélos. Pareil pour les animaux. Si vous êtes handicapé, il faudra cocher voyageur handicapé. Donc là, maintenant, on va appuyer sur le bouton rechercher. Une liste d'horaires apparaît.
prenez le temps de regarder les propositions. Donc, quatre types de billets. Donc, le billet non modifiable. Donc, réfléchissez bien. Modifiable sous condition. Modifiable. Et les billets de première classe. Donc là, par exemple, j'ai un billet qui me paraît intéressant et je suis sûr que je partirai ce jour-là. Donc là, je vais sélectionner le billet au meilleur prix. Donc là, hein, donc il fait le résumé. Voyageur 20, aller-retour malin, billet carte jeune. Ensuite, donc là, je vais pouvoir choisir ma place. Donc, important, moi, je trouve, c'est de voyager dans le sens de la marche. Donc, comme c'est des TGV à double étage, hein, donc soit la salle haute, soit la salle basse. Donc là, moi, je vais choisir la salle haute. Et ensuite, indifférent. Donc là, je vais choisir cette allée. Et maintenant, on va choisir le retour. Allez, on va prendre le billet, le train de 12h57. Donc là, je clique dessus. Donc là, pareil, je vais choisir ma place. Alors, donc là, le choix est limité. Dans certains trains, vous pourrez choisir votre place exactement. Donc là, je vais voyager encore dans le sens de la marche. Et je voudrais plutôt ce coup-là, la salle basse et le carré famille. Donc là, je fais choisir ce retour. Donc ensuite, la SNCF va vous proposer des assurances. Donc, si vous voulez, vous pouvez la prendre. Pour ma part, je ne prends jamais. Donc là, je vais cocher « Passer cette étape ». Il va me proposer aussi d'autres services, hein, hôtel, déplacement avec location de véhicule. Je passe cette étape, j'en ai pas besoin. Donc là, vous allez avoir un récapitulatif de votre voyage. Hein, donc, voilà, place 104, place 103, sens de la marche du haut côte à côte. Hein, donc, avec un départ à 12h06. Ensuite, votre retour. Donc là, c'est un billet classique. Alors que sur le Voyageur 2, hein, c'est un prompt avec carte jeune. Vous avez la possibilité d'ajouter un autre billet. Donc là, je vais valider maintenant mon panier. Donc là, de nouveau, vous avez le récapitulatif. Donc, alors, attention, hein, très très important ici. Ça ne sera qu'un e-billet. Ça va être à vous de l'imprimer. Donc, il est important de pouvoir disposer d'une imprimante. Donc, ensuite, on va venir. Donc là, il a rempli automatiquement le premier passager, puisque j'avais indiqué mon nom, hein, et puis ma date de naissance lors de l'inscription sur le site de la SNCF. Ensuite, je vais mettre le nom de la deuxième personne. Donc, par exemple, Madame, toujours. Alors.
Ensuite, vos coordonnées apparaissent. Donc, monsieur, votre nom, le prénom, votre adresse mail et le téléphone mobile. Et on va venir valider et payer. Et là, hein, il va me demander de payer. Donc là, il faudra choisir le type de carte bancaire. Donc Visa, Mastercard, CB, American Express, e-carte bleue quand même. Alors moi, je ne vous le conseille pas trop parce que s'il y a un problème, surtout pour des billets remboursables, vous aurez des problèmes. Donc prenez plutôt votre carte bancaire classique et la Maestro. Donc là, vous mettrez le numéro de carte, la date d'expiration, c'est-à-dire hein, le mois et l'année. Et derrière votre carte, hein, vous avez un code de sécurité. Hein, donc il faudra mettre le code. Alors, moi, je vous conseille. Donc là, il vous propose de conserver les traces de votre carte bancaire. Moi, je vous conseille de cocher non. Si vous avez un code promo par la SNCF, hein, vous pouvez l'utiliser. Et il suffira de cliquer sur valider mon paiement. Alors attention d'être bien en mode sécurisé, HTTPS, hein, et là on va pouvoir effectuer le paiement. Hop. Donc vous allez recevoir un email dans votre boîte email. Il suffira de l'ouvrir et hein, il y aura un lien qui va vous ouvrir le billet proprement dit que vous allez pouvoir imprimer sur votre imprimante. La SNCF met aussi à disposition une application SNCF hein, que vous pouvez avoir soit sur votre téléphone, soit sur une tablette, que ce soit Android ou pour Apple. Cette vidéo est maintenant terminée. Laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de pratiquer et de mettre en application vos nouvelles connaissances. Ciao, ciao, ciao!